Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Réveillon. Incendio. Réveillon. En route pour de nouvelles aventures? Je préférerais être dans l'eau plutôt que de voler comme ça. T'es là, Gwen? Fantastique. Pour vrai, je pourrais aller au moins
visiter Gosquela parce que j'ai jamais été là. Mais tu peux pas visiter à moitié là. Rebellion. Non, pourquoi t'es je pas t'assure là que je ne te ferai pas perdre ton temps et je te remercie infiniment. Oh là. Cette gare a été érigée au début des années 1800 parce que le ministre de la magie à l'époque, Otalin Gimbal, a acheté une locomotive à vapeur pour transporter les élèves jusqu'à Poudlard. La gare est apparue après au large du jour au lendemain, juste après le train. La construction a notamment été impliquée à l'utilisation de sortilèges amnésiques sur de nombreux moldus, ainsi que de le plus gros charme de camouflage jamais lancé en Grande-Bretagne. Vous parlez de quoi? De sexe? Rebellion. Vous parlez-vous de sexe anal? On sait que Gwen, c'est sa position préférée. Sexe anal. Ça fait partie de ses annales. Lui qui joue avec moi, Watson, il a été voir ton live aujourd'hui. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux! Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant de le lancer ailleurs. Chère Madame Kogawa, je vous inscris suite à la décision du professeur Black de suspendre le Quidditch. Comme vous le savez, intégrer une équipe de Quidditch professionnelle est mon plus grand rêve, et voilà que mes chances d'y parvenir sont réduites à néant, ou bien à pas grand-chose. Le professeur Weasley m'a intimé de me soumettre un jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner seul. J'ai bien mis au point quelques épreuves d'entraînement, mais rien ne vaut un vrai match sur le terrain, je vous l'assure. Puis-je vous demander d'en parler au directeur ou au professeur Weasley? C'est toute ma vie qui sera fichue si je ne peux pas véritablement pratiquer le Quidditch pendant toute l'année. En vous remerciant, professeur, Imelda Reyes. Thank you.
Et voilà. Vous apprenez vite. Revelio. Cher monsieur, madame Kogawa, je suis ravi d'apprendre que vous allez rejoindre le corps professoral de Poudlard en enseignement de vol. J'imagine que notre travail à Poudlard sera moins mouvementé que notre séjour près de la porte de Yokohana. Mais qui sait, après tout. J'ai hâte de vous revoir. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un hibou. Bien cordialement, Mathilda Wesley. Je crois qu'il a son compte, mais continuez à vous entraîner autant que vous le souhaitez. Revelio. Levioso. Kikindo. Kofringo. Incendio. Joli. Ego! N'a aucun talent! Continuo! C'est donc toi la vermine qui a libéré le Creswell. Tiens-toi tranquille, espèce de frayeur. Tu es aussi insaisissable qu'un charade. Tu devrais me gonfler. Incendio. Voilà une agréable surprise. Gwen. Lumos.
Incendie. Expelliarmus. Lumos. Lumos. Qu'est-ce qui est caché? Sur mes places d'esquivance sont pleines. /24/24, c'est en général ça. Shit, je savais pas. J'ai mis à me battre. Je crois que vous êtes en mesure d'apprendre Arresto Momentum, le sortilège de ralentissement. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches. Je suis loin de la... Ah, c'était... Je l'ai.
Lumos. Non, il est là. Revelio. Confringo. Incendio. Confringo. Non. Revelio. Lumos. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Revelio.
Ouais, hein. Oh, je vais voir en dessous, parce que c'est niaisage. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin. Prenez le temps de regarder. C'est une sage décision. Merci. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Quel plaisir de vous revoir. Revelio.
Un calice. Ok, par là. Lumos. Ici. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrok, peut-être plus. Ne pourrait-on pas transplaner dans la tour ? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. C'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Faisons vite. Restez cachés et lancez Petrificus Totalus. On n'est pas Petrificus Totalus. Lumos. Lumos.
paro. Oh, il doit y avoir quelque chose. Senzu. Des ordres. Oui, la tour. Émanant de Ramanque. Tout ce qu'il y a très ces ordres indiquent qu'ils cherchent quelque chose en rapport avec des noms. Quels noms ? Et pourquoi ici ? Je vais te faire souffrir. Je vais te faire souffrir. Tu n'aurais jamais dû venir. Ah, tu es là. Je suis sûr que tout ce bazar est dû au temps, non aux gobelins. Je ne pense pas que les gobelins soient au courant des épreuves, mais ils se doutent que cet endroit a son importance. Revelio. Ce n'est pas une coïncidence si nous avons rencontré des fidèles de Ranrok ici. Nous avons trouvé l'entrée, apparemment. Incendio. Confringo. Revelio. Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique. Ce n'est pas le moment. Mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château.
Bienvenue dans la tour de Sanbacar. Bonjour, professeur. Vous avez dit la tour de Sanbacar ? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient eu connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne semblable à ceux que vous avez déjà vus a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Nous devons comprendre comment les fidèles de Ranrok ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Tu sais que tu un peux changer tes habits ancienne, et garder les mêmes, mais oui, juste l'aspect. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, messieurs. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Rébellion. Un dépôt de magie ancienne. En bas, près de l'entrée. Je devrais regarder ça de plus près. Rébellion. Moi, je joue à Medium. Je joue pas au mode histoire, c'est plus compliqué, t'sais. C'est un mode d'homme. J'ai déjà vu ça, à Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Rébellion. Changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Ok, je comprends. On va aller par là.
Revelio. Revelio. Protego. Incendio. Confusco. Et on se remet ensemble. Ok. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un œil. Vas-y, jette un œil. Revelio. Trace de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Revelio. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Action. Incendio. Confringo. Action. Bouge. Thank you.
Rebellion. J'ai comme un air de... Cette plateforme semble pouvoir m'amener où j'ai besoin d'aller. Laquelle ? Action ! Mais pourquoi ça ? Qu'est-ce que cette rafale de magie a bien pu faire ? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. D'autres statues. Action. Thank you.
facilite pas la tâche. Incendio. Confringo. 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 Action. Confringo. What's up, Silent Star? Confringo. Confringo. Action. Thank you.
Confringo. Action. Complicated. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Réparons. Réveillio. Répulsion. Action. Perdu. Action. Rebellion.
Fuck, je suis revenu au début. Tu jongles entre les deux. Entre les deux, c'est pas clair. Peut-être moins clair, s'il te plaît. Je suis revenu au début au lieu d'aller vers. Ouais, c'est que je comprends. Là. Faut que je trouve ce qui est l'autre spot. C'est-à-dire ça, jungle, tabarnak. Peut-être moins clair. Ah, ici, tu veux dire. Et je comprends. Et là, je retourne là. Mais où j'étais, j'aurais pu avoir le coffre tantôt, Carlis. Je vais recommencer vite fait, là. Je pense que je faisais une gaffe en faisant ça. Ah, je l'avais puis je l'ai fucké.
Action. Two. Dommage. Ben. C'est même pas un coffre, ça. Ça, c'est un... Ah, il est déjà ouvert, tabarnak, tout ça, puis... J'ai perdu du temps finalement à faire ça parce que là tout est correct. Oh non, danse-toi. Torse-toi. Wow. Confringo. Lumos. Incendio. Confringo. Lumos. Non. Jamais à ce sol. Confringo, Incendio, Lumos.
scène du... Fuck, esti. Fuck. Fuck, fuck, fuck. On change de quoi, là? Rébellion. Bouge. Oh, il m'a presque tué. Glacius a aidé beaucoup là-dessus. Rébellion. Action.
Ah, Chris, on peut pas. Voyons ce qui a changé de chaque côté de l'arc. Hostie. Les choses sont bien différentes de chaque côté de l'arche. Mais comment est-ce possible? Non, ça sent le... Rébellion. Oh, rien. Medium. Oh fuck. Ça.
Hostie. Fuck! Il y a un backflash qui m'a revenu dessus, calice. Ah, faut tout genre faire. Oh, tu calais, j'ai dit ça, ça fait la même. Ça risque d'être lent de tout battre. Ah, c'est que ça me tombe ses nerfs. Pas du tout ça. Non. Là, j'ai plus d'énergie par exemple. Il y a quelque chose à faire là-dessus que j'arrive pas à faire. Là. Déçu de moi-même. Je me suis fait plus mal avec sa boule jaune cette fois-ci que d'habitude. Là. Et sa boule jaune, je pense, faut que je place.
faut que j'y enlève. J'ai découvert une nouvelle manière de mourir. Yes. C'est ça. Pour Faut que je le gèle. 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 Faut que je le gèle juste avant qu'il me tire. Quand c'est rendu au maximum, je le gèle. Pow, ça pète sa balloune. Compris.
Tiens. Bah c'est... Toi. J'attends ça. Hey, ça pue ça. Médium comme un grand. Asti que je l'ai bien joué. Quel sur soulagement. Ça. Réveillon. Une autre pancine. Je vais fouiller un petit peu plus, c'est pas grave. Ouf. Votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable. Hello, Gwen. Qu'y a-t-il ? Mon père ne va toujours pas mieux. Je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère. Il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir. Ça remonte à des années. Et la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste d'avoir lieu. Ce ne sont pas de beaux piliers dont il a besoin, mais d'être en paix. Peut-être puis-je l'aider, professeur. Vous en faites déjà tellement pour votre père. Ce n'est pas suffisant. Je veux qu'il arrête de souffrir.
Il est tentant, c'est vrai, d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique. Mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister. Même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation. Alors quoi, je dois me contenter de regarder mon père se consumer à petit feu ? Ce n'est pas à vous d'ôter cette douleur. Chaque année, un élève voit quelque chose d'encore plus fou et improbable dans ses feuilles de thé. Oh, Miss Morganac, de retour à Poudlard, bienvenue, professeur. Il va falloir que je m'habitue à cela, professeur Rockwood. C'est un plaisir de savoir que vous êtes devenu professeur de défense contre les forces du mal. Venez, asseyez-vous, parlez-moi de vos voyages. En fait, j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Cela me ravirait. Nous préviendrons les autres. Très bien. Nous nous verrons là-bas. Un autre souvenir. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Pierre cristallisée. Ce passage doit revenir à la salle de la carte. Gwen. Qu'avons-nous là ? J'étudie à Poudlard, monsieur. Et voici le professeur Fig. Professeur Charles Rockwood, à votre service. Quelqu'un a donc réussi la première épreuve ? En effet, professeur Rockwood. Vous me dites quelque chose, monsieur. Vous avez dû me voir dans la première pancine à laquelle vous avez accédé, à Gringotts. Alors, vous avez trouvé le porte au loin pour accéder au caveau du professeur Rackham, et vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au-dessus de la pancine ? Oui. J'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier au-dessus de la dernière pancine. Ah, oui. Vous trouverez un artefact similaire à chaque épreuve. Vous devez les garder en sécurité. Vous en aurez besoin à la fin du voyage que nous vous avons préparé. Une fois que vous les aurez tous, nous vous dirons quoi faire. Très bien. Pouvez-vous m'en dire plus sur la prochaine épreuve ? Avant de continuer, j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins. Les gobelins ? L'élève a vu des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. L'élève et son mentor, le professeur Fig, ont vu des gobelins rôder autour de la tour de Sanbacar. Et ils ont également vu un puissant gobelin dans mon coffre, à Gringotts. J'ai bien peur que nous ne devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations. Nous nous en remettons à vous pour cela, bien sûr. À présent... Dites, professeur, ce nom, Rockwood, vous pensez que... Qu'il y a un lien avec Victor ? Peut-être, mais nous ne pouvons pas en être certains. Pour l'instant, dites-moi ce que vous avez vu dans la pancine. Avant qu'Isidora, la sorcière que j'ai vue dans la dernière pancine, n'enseigne à Poudlard, elle s'était disputée avec le professeur Rackham au sujet de l'utilisation de la magie contre la douleur. Espérons que la prochaine pancine nous donnera plus de contexte. En attendant, nous devons découvrir ce que c'est Ranrok. Pour être honnête, je ne sais pas du tout par où commencer. À vrai dire, je connais peut-être quelqu'un. J'ai vu Sirona des Trois Balais parler à un gobelin. Il semblait bien s'entendre. Cela vaut la peine d'essayer. Essayez d'en savoir plus. Et bien sûr, n'oubliez pas... Mes devoirs. Bien, monsieur. Avant que vous ne partiez...
Revelio. Professeur ? Avez-vous trouvé des traces de magie sous forme de tourbillon dans le monde, en dehors de celles que nous avons croisées ? Pas que je sache. De quoi s'agit-il ? Ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne. Elles datent de notre époque. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie. Merci, monsieur. J'ouvrirai l'œil. Revelio. Je devrais interroger. J'ai une incroyable nouvelle. Une amélioration de balai est disponible. Venez me voir dès que vous pouvez. J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible à propos d'une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais... Revelio. Des scènes d'eau qui permet de faire descendre des objets au sol. Ah, ça, c'est l'affaire des griffons d'or. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. As-tu fini, toi, celle-là ? Le défi des clés du dédale se déroule bien. Là, ouais, faut qu'on mette un code après, on dirait que ça bouge. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Il y en a 4. Revelio. Rebellion.
Revelio. Revelio. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une bonne pinte d'hydromel en... Revelio. Tu faisais dans la réserve de la bibliothèque. Oh. Revelio. Je savais. Revelio. Violette, si tu arrives ici avant moi, rends-nous service et essaie de trouver plus d'hydromel. Tu veux? Je crois que l'un des résidents du couloir du troisième étage possède un cadre quelque part avec une bonne réserve. Lumos. Lumos. Potion de beauté, je ne dirai rien. Faites ce que vous voulez. Allez, toi. Revelio. Incendio. Revelio. Trouver le mystère de Gwen est même plus loin. Ouais. Revelio.
Revelio. Examens. Aucun d'entre eux ne vaut mieux qu'un dé. Si Poudlard survit au règne de ce directeur. Revelio. Si vous pouviez simplement regarder où vous mettez les pieds. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. J'adore déjeuner. Revelio. Ce n'est pas une réflexion désagréable, Dermine. Ah, depuis que tu m'as trouvé cette... Bonjour Lucan, tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? Regardez qui est de retour. Tu as envie de prendre ta revanche ? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Revelio. Yeah!
Cranky Frankie, comment ça va? Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Confringo, ça suit. Même pas proche, j'en mets un. Moi, j'aime bien, ouais. Tu veux retenter ta chance? Je vais rendre une place que j'ai de la misère. C'est vrai que les missions secondaires, mais j'ai de la misère pareil. Fuck, je suis prendre les deux, tabarnak. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. C'est rien qu'à l'aise, j'ai putain de pas ben. Tu veux retenter ta chance? D'accord, ouais, allons-y. Parfait. Pas pire. Bonne chance. Ah, si, je n'avais battu un, calice. J'arrivais de la battre la deuxième. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. C'est la première fois que j'en battais un. Bonne chance. Incendio.
Bouge! Bouge! Ouais, c'est un excellent jeu. Tu veux retenter ta chance? C'est un gaudy. D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Wow, Chris, des fois ça va super bien, ça va zéro bien. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Waouh, je n'avais battu un facilement. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Tout à l'heure, je viens de battre un boss. Pitonne au lieu de garder mon piton dessus, c'est ça, c'est mon problème à moi. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Ça sera pas entre les deux oreilles. Mental toughness, la dureté du mental. Ah, si je t'ai attaché. Ah, si je m'ai pas perçu qu'il m'a pincé en même temps. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Voyons un tabarnak de calice. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Peut-être qu'il me manque une magie ou j'ai mauvaise combinaison de magie.
On dirait que tout le monde est à la même place, tabarnak. Je suis trop proche. Tu veux retenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Mon partner, ça a rien en tout, hostie. On dirait un hostie pion. Mais quand je lance mon esti d'affaire dessus, ça va pas dessus, tabarnak. Je le freeze, il freeze tu pas. Tu veux tenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tabarnak! On est supposé être 3, 2, stick entre 4, puis on est... Je suis tout seul, calice. D'accord, allons-y. Parfait. On peut pas s'healer là-dedans. Dans ce mission-là, on peut pas. Ça vient de tous les calices de bord, tabarnak. Tu veux retenter ta chance? Je vais essayer quoi quand ce que je jouais au lieu de slider, je vais me bloquer. Bonne chance. Faut que... Tu
veux retenter ta chance ? Ouais, mais j'ai besoin de changer de quoi. D'accord, allons-y. Parfait. C'est qu'il y en a des blocs, là, puis là, j'ai pas les bons... J'ai pas les bons atouts pour tout battre ça. Tenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Ce n'est pas grand-chose. Tu n'as encore rien vu. Si les meilleurs duellistes de l'école ne te suivent pas, tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Je pense qu'on a envie de jouer une heure de plus. Je pense que je vais prendre une petite pause. 5-6 minutes. Moins de 10 minutes. Puis. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy. Live. La chaîne du Caribou. Canadien. Oh yeah.